Salut à tous, salut Marco. Salut Maxime, salut à tous. En saison 12, il y avait deux grands prix en Espagne après la suppression du Grand Prix de Valence, le Grand Prix d'Europe. C'est bien à Barcelone que nous allons nous retrouver pour l'unique Grand Prix d'Espagne sur la saison 13. Oxide domine largement les débats. On verra si au cours de cette cinquième manche du championnat GP2 F1 Team PS3, il sera capable de confirmer ce magnifique début de saison. En tout cas, aujourd'hui, Starting Blocks TV vous proposera un résumé très très court, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, à la fin, comme prévu et comme promis, une très belle surprise vous sera présentée. Alors Marco, nous allons bientôt passer à la grille de départ. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Donc sur la grille de départ, il y a toujours Occident en pole position, suivi de Yoshiz. En deuxième ligne, on peut retrouver Mod Street avec Psikowski, de moteur Mercedes, suivi du coéquipier de Yoshiz, Juan Mack 5e et Hamilton 6e, Rosbif, McMartin 7e et 8e, les deux moteurs Renault. En neuvième position, nous avons Charognard, suivi de Ezekiel sur sa Force India. En 11e et 12e place, nous avons respectivement Olivier et Snipe 95. Et sur la dernière ligne, nous avons Léo Fangio et Gélère Max. Léo Fangio, nouveau pilote, qui espérons sera prouver ses qualités sur la piste. Très peu de caméras embarquées aujourd'hui avec la vidéo, nous voyons de Juan Max, d'Hamilton et de Mod Street. Ce sera tout pour aujourd'hui, avec le départ à l'extinction des feux. Et c'est parti, vamos, vamos, vamos. Ah, très mauvais départ de Psikowski. Notons également effectivement le retour de Psikowski, le coéquipier d'Hamilton, qui sera bel et bien présent pour essayer de ramener quand même des points à l'écurie Mercedes qui en a bien besoin. On a vu le mauvais départ de Psikowski, mais le départ de Yoshi n'est pas non plus exceptionnel. Alors que Oxide a déjà pris une bonne seconde d'avance. Ah oui, on peut dire que le départ était très propre alors qu'il y a eu du grabuge à l'arrière. Alors que Oxide donc domine la course juste devant, enfin juste devant, enfin quelques mètres devant Yoshiz, derrière Mod Street. Psikowski qui met la pression à Max, qui se monte dans ce rétro. Effectivement, et puis derrière, on ne sait pas qui ça peut être, mais en tout cas, ces quatre-là ont creusé le trou et on ne parle pas non plus de bien évidemment d'Oxide. Qui frappe un gros coup dès le début de ce Grand Prix. On dirait qu'il a fait une erreur et c'est un peu au gauche. Oui, puisque Yoshi est quand même bien revenu. Ouais. Et a repris déjà un petit peu d'avance sur le pilote belge McLaren Mod Street. McLaren qui malheureusement n'a qu'un seul pilote en piste. Oui, c'est sur l'absence, ouais. Alors que nous retrouvons en replay avec Hamilton. Hamilton qui suit Juan Max, c'est sa touche. Oh là 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 là, et McMartin est juste derrière. Oh là 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 là, quel départ. Oh, c'est vraiment dommage, alors qu'il y a un autre pilote au fond, là, vous voyez. Je pense que c'est Léo Fangio. Je pense qu'il y a... Ou Ezekiel. Faudrait voir si McMartin est le fautif ou si on l'a pas touché lui avant qu'il tape sur Hamilton. Alors qu'on là on vient de voir Mod Street au tour numéro 8 qui a dépassé, qui a déjà pris un tour au pilote rookie Léo Fangio. Et Marco, pour répondre à ton interrogation, il s'avère que c'est bien Léo Fangio qui a touché Hamilton. Et qui se verra sanctionné, hein. Même disqualifié du championnat suite à ce Grand Prix. Parce que juste à l'arrière, Mod Street, il y a Juan Max, et Juan Max qui a pris une pénalité en voulant dépasser, me semble-t-il, toujours Léo Fangio, qui ne daignait pas le laisser passer. Un coup dur pour le pilote mexicain. Oui, puisque jusqu'à preuve du contraire, il était quand même dans les roues de Mod Street, là je crois qu'il est à 4 secondes. Il restait au contact. Wall Street qui suit toujours Yoshiz. Et Yoxid qui domine la course. Et Yoshiz rentre au stand. Et on
On peut voir que Moe Street a choisi une stratégie différente, donc le prime. Il aime les paris, le pilote belge. Ouais, c'est beaucoup de fois qu'il tente ça. Oula, au tour numéro 9, là on voit que Yoshiz était juste derrière Psikowski. Attention, Juan Max va-t-il dépasser Yoshiz, son coéquipier? Non, il ne prend pas de risque. Marco, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même une hiérarchie établie au sein de l'écurie Red Bull? Ça, je peux pas trop me prononcer parce que je suis pas dans l'écurie même, mais je pense pas qu'il y ait une hiérarchie. Hein. Là, Juan Max n'a sûrement pas voulu tenter quoi que ce soit pour pas flinguer la course à Yoshiz qui se bat pour la victoire. Surtout que Max a des pneus un peu plus usés que lui, donc je pense pas que c'était une histoire de hiérarchie. Donc, non, je pense qu'ils sont au même point tous les deux. En tout cas, c'était bien raisonnable de la part de Juan Max de ne pas tenter le diable. Et Yoshiz, qui, une fois débarrassé de Psikowski, est rentré au stand, en profite. Alors que là, nous avons Hamilton au tour numéro 11. Et notons que Moe Street est en tête pour l'instant, grâce à sa stratégie. Hamilton qui se retrouve 10e suite à son accrochage au premier tour. Mais hop, 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 hop! Oh, c'est terrible! Oh, c'est terrible! Moe Street, on venait d'en parler justement, qui était en tête de la course et qui doit abandonner. Oh là 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 là, quel coup dur! Et le pilote belge est furieux, on le voit descendre de sa monoplace. Oh là, que s'est-il passé? Ah là là, j'espère qu'on en saura un peu plus avec... on retourne juste quand même à l'avant de la course. Moe Street là qui est abattu. Foudrage là qui en veut à sa monoplace. Ah puis là c'est un coup dur pour McLaren. Alors que là, oula, Hamilton et Rosbif. C'est chaud là. Oui, parce que je crois que Rosbif voulait rentrer au stand. Il y est parvenu, mais... Oh que ce fut dur. Ah, je reste sonné. Alors que là, il y a une belle bataille quand même, puisque pour la 7e place. Voilà, ça part en dehors de la piste. Les deux pilotes Williams, McMartin et Snipe. Alors qu'Hamilton assiste à cette belle bataille. Ah, il attend la faille. Peut-être maintenant. Oh, ça a touché! Oh là là! Snipe qui s'est complètement raté dans son freinage et qui est parti percuter son coéquipier. Ouh, ça va gronder. Sir Frank Williams est déjà en colère. Et s'il y en a bien un qui en profite, c'est Hamilton. Ça fait les affaires du pilote Mercedes. Juan Max au tour 18 qui suit de très près Psikowski et qui a maintenant 20 secondes d'avance sur Hamilton. 5e. Suite justement à cet accident entre les deux pilotes Williams. Psikowski, troisième pour son retour. C'est pas mal. Alors ne faites pas attention au classement. Là, il y a une erreur, sur le moniteur, puisqu'il est indiqué que Léo Fangio est cinquième. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours bien et bien Hamilton. Hamilton qui est bien remonté hein, suite à un accident du premier tour. Et oui, et les pilotes Mercedes là qui font vraiment une très très belle affaire. Au DRS, Juan Max, va-t-il pouvoir avoir raison de Psikowski? 308 de VMAX. C'est pas énorme ça. Peut-être que le réglage de la Red Bull n'est pas optimal. En tout cas maintenant, les deux Red Bull sont sur le podium, mais seulement virtuellement. Oxide est leader suite à l'abandon malheureux de Moe Street. Alors est-ce que Psikowski va pouvoir bénéficier du DRS pour reprendre l'avantage sur le pilote mexicain? On en saura un peu plus. Même si le DRS, il va être assez loin pour tenter un dépassement sur la ligne droite. Alors que nous sommes maintenant au tour 31. Et la pluie a déjà fait son apparition depuis quelques tours maintenant. Avec la caméra embarquée d'Hamilton. Alors que nous avons perdu communication avec Marco. Et nous espérons le retrouver très très vite.
pour la surprise notamment. Alors que Hamilton qui sort large également et qui doit laisser passer un des concurrents qui vient lui prendre un tour. Alors on va voir qui c'est. Est-ce un pilote Red Bull? C'est un pilote Red Bull et c'est Yoshiz. Alors qu'un autre pilote juste devant a imité le pilote Mercedes en laissant passer Yoshiz et Hamilton. Yoshiz qui se bat en tout cas pour revenir sur Oxide. Mais je crois que l'accident avec Psikowski sur le premier relais, au tour numéro 9 pour être plus précis, aura été rédhibitoire. Yoshiz qui donne tout. Un autre concurrent qui doit laisser passer Hamilton et Yoshiz. Il y en a partout sur la piste. Le DRS s'est désactivé. De toute façon, Yoshiz était bien, bien trop loin pour permettre à Hamilton d'ouvrir les longs arrières. Et au tour 58, nous avons Psikowski qui mène juste devant Juan Max. Psikowski qui est troisième, peut-être pour aller chercher un magnifique podium. Quel suspense sur cette fin de course. Et Juan Max qui profite du DRS pour revenir vraiment très très près du pilote italien. Au tour 58, Juan Max qui va pouvoir finir ce relais. Il n'aura plus besoin de s'arrêter au stand. Hamilton est à 11 secondes, le suspense est à son paroxysme. Et à la réaccélération, Psikowski reprend l'avantage. Mais Juan Max a toujours le DRS. Allez, va-t-il pouvoir se rapprocher sur cette ligne droite? Oxide est toujours en tête alors que Yoshiz donne tout ce qu'il a dans le ventre pour essayer de revenir sur le pilote Ferrari. Juan Max qui se rapproche de plus en plus dangereusement du pilote Mercedes. Il s'est passé quelque chose avec cet abandon de Goa. Plus connu évidemment sous le pseudonyme de Psikowski. Ah, c'est terrible. Après l'abandon de Mostrid qui dominait la course. C'est maintenant au tour de Psikowski d'abandonner alors qu'il était sur le podium virtuellement, même si Juan Max se revenait très très rapidement. Voilà qui fait l'affaire du pilote mexicain. Et Hamilton au tour 64 qui a laissé échapper tout espoir de monter sur la troisième marche du podium puisqu'il est à 30 secondes. Et Rosbif qui est cinquième. On n'en a pas beaucoup parlé du pilote écossais, même s'il a failli avoir un accident, un accrochage avec Hamilton. Rosbif réalise une très très belle prestation aujourd'hui. Allez, Hamilton, qui devrait bientôt en terminer, puisqu'il a dû prendre un ou deux tours, si je ne m'abuse. Alors que là, il a juste devant lui un des pilotes Williams, et c'est terminé, Oxide qui s'impose devant Yoshiz. Juan Max va terminer troisième. Et Hamilton, sauf surprise, lui va accrocher cette quatrième place qui va lui offrir pas moins de 12 points. Alors que nous allons résumer très brièvement le classement de cette course. Oxide qui s'impose devant Yoshiz. Juan Max est troisième. Hamilton, comme nous l'avons vu, est quatrième, juste devant la belle prestation de Rosbif. Olivier, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il termine sixième. Le tout nouveau pilote Sauber, pardon. Mac Martin, Léo Fangio, Ezekiel Charronnière et Snipe suivent. Malheureusement, nous déplorons l'abandon de Psikowski et de Mostreet. Alors, au classement général, c'est la très très bonne affaire, évidemment, pour Oxide, qui est toujours en tête, avec 5 victoires en 5 courses. Comment peut-il être déboulonné, puisque Yoshiz est maintenant à 35 points. Juan Max profite de l'abandon de Mostreet pour reprendre la 3e place du classement général. Hamilton est lui 5e, avec cette très très belle performance. Il grappille un petit peu. Et Mistassion, toujours absent, dégringole lui au classement. Mac Martin, le pilote William, c'est 7e, juste devant Charronnière, qui a réalisé une course plutôt anonyme. Rosbif, 9e, qui profite vraiment de cette belle performance pour remonter au classement. Olivier, qui vient d'intégrer le championnat GP2, est lui maintenant 10e. Goa, avec son abandon, c'est le statu quo pour lui. Il reste 11e. JLR Max est 12e. Ezekiel, 13e. WAM, 14e.
Wam, notons que Wam n'a pas pu participer à la course puisqu'il a eu un problème technique dès les qualifications. Cédric est lui 15e. Cédric, c'est Snipe, bien évidemment. Et c'est tout au niveau du classement individuel. Au niveau du classement constructeur, Red Bull est toujours en tête, juste devant Ferrari. McLaren est 3e avec un 0 pointé aujourd'hui. Mercedes revient dans la course avec 54 points et 30 points de retard sur l'écurie britannique. Enfin, Lotus est 5e. 6e, l'écurie Williams. 7e, l'écurie suisse Sauber. Et enfin, les Force India qui sont 8e. Eh bien Marco, nous venons d'assister à ce court résumé et surtout à la 5e victoire consécutive d'Oxide. Mais on peut quand même noter, Marco, la très très belle 5e place du pilote Lotus Rosbif. Rosbif qui nous fait tout simplement le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Rosbif. Bonjour tout le monde. Salut Rosbif. Alors vraiment Rosbif, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Déjà, vraiment félicitations pour cette magnifique 5e place. J'imagine que tu savoures. Effectivement, une 5e place, vu la concurrence, je pense que c'est un bon résultat. Même si, il faut être réaliste, on a eu énormément de chance. Et il se fait que cette 5e place, franchement, est certainement un des meilleurs résultats que j'aurais pu que je puisse avoir sur toute la saison. Je vous dirai pourquoi après. D'accord. Mais là, tu parlais de chance, mais hormis la chance, il y a quand même un facteur entraînement, peut-être la connaissance du tracé qui ont joué sur cette belle performance. Effectivement, Barcelone est mes circuits préférés. Avec Suzuka, avec Melbourne, donc c'est des circuits que je connais par cœur. Mais effectivement, une 5e place, franchement, c'est un très bon résultat. Et j'espère que au prochain Grand Prix, ça pourra se reproduire. Mais j'ai un grand doute quand même, parce que la concurrence est vraiment très très forte cette année, surtout en GP2. Ok, bah Ross, excuse-moi, mais est-ce que tu peux nous permettre de rêver cette course? Enfin, tu t'as mis 5e, c'est déjà magnifique, mais allez. Qu'est-ce qui t'a manqué pour faire encore mieux ce soir? Il m'a manqué beaucoup d'entraînement. Il se trouve que chez Lotus, nous sommes un peu en retrait par rapport aux entraînements. Et comme je l'ai dit en début de saison, Ferrari, Red Bull, McLaren et Mercedes seront devant nous parce qu'ils ont des très bons moteurs, ils ont des très bons châssis, des très bonnes équipes et surtout un très bon recrutement. Il se trouve que chez Lotus, avec Charo, ça passe très très bien, mais on ne peut pas espérer finir dans les 8 premiers, ou alors vraiment par grosse surprise. Donc, j'en reviens à ce résultat, 5e, pour moi, c'est inespéré, quoi. Justement, Marco, abordons maintenant le début de saison avec Rosbif. Oui, effectivement, donc Rosbif, après ces 5 Grands Prix passés, quelle est ton opinion sur ce début de saison? Eh bien, honnêtement, c'est pas terrible. 10e, 8e, 8e, heureusement à Barcelone ça, on est réagi un peu, mais franchement on est en dessous de ce qu'on doit faire, même si je le répète, nous situons devant, derrière les grosses écuries, mais on voit que chez Force India, Sauber et surtout Williams, il y a de la concurrence, donc là franchement on a pris un très très mauvais départ, personnellement. Je vois que pour mon coéquipier Charognard, ça passe un peu mieux, mais il faudrait que ce soit en harmonie tous les deux, qu'on ait des bons résultats régulièrement, et pas des hauts et des bas comme il se trouve qu'on a en début de saison, quoi. Voilà. Pour l'instant, c'est plus en hausse, vu que tu as fait 10e, 8e, 8e, comme tu as dit, la 5e. Est-ce que pour toi, ça peut commencer à revenir ou ça peut être un coup du sort? Quels sont tes objectifs après pour la suite? Est-ce que tu penses rester dans cette allure-là ou pas? Et honnêtement, je me suis fixé deux objectifs, c'est-à-dire le premier, c'est de finir devant mon équipier Charo et surtout de faire mieux que la saison passée. Et je crois que c'était un gros défi à relever puisque le niveau est encore plus important cette saison en GP2 que la saison dernière qui était déjà d'un très haut niveau. Donc voilà, je pense que si je finis 8e, ça sera vraiment, pour moi, un très bon résultat, même si ça pourrait paraître dérisoire pour certains, quoi. D'accord, donc est-ce que tu es plutôt satisfait, ton écurie, pour l'instant?
Eh bien, franchement, j'ai fait très peu d'essais, mais j'ai une très bonne sensation. C'est une voiture agréable à conduire. Je trouve qu'elle manque un peu de pêche, surtout à bas régime. Mais peut-être qu'on va évoluer, enfin, je le pense, j'en suis certain. Donc, je suis optimiste pour le futur, quoi. Alors Ross, un de tes objectifs, hein, comme tu pouvais nous en parler, c'est de battre ton coéquipier Charognard. Charognard, dont les performances sont vraiment dents de scie, hein. On a pu le voir en Australie, une course calamiteuse, mais il s'est ressaisi quelque peu en Malaisie et à Bahreïn. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta collaboration avec Charognard? Est-ce que c'est fructueux? Est-ce que tu penses que les entraînements vont porter très vite de très bons résultats? Déjà, Charou, j'ai fait une saison avec lui chez Ferrari, qui était assez laborieuse il y a 2 saisons. Donc on se connaît très bien. En plus, on est assez proches. Il a un bon humour. Par contre, il a beaucoup plus progressé que moi. Et au niveau des chronos, il est plus rapide. Mais c'est vrai, comme vous l'avez souligné, il est inconstant. Et je crois que il lui manque pas beaucoup. Mais franchement, c'est une équipe que je l'apprécie beaucoup, quoi. Voilà, je suis très content d'être avec lui. Alors concernant la tête du championnat, il ne fait aucun doute de toute façon que Oxide domine largement les débats, comme on l'a vu tout à l'heure sur ce court résumé de Barcelone. C'est sa cinquième victoire en cinq courses. Mais est-ce que tu penses que derrière, sur le plateau, il existe d'autres prétendants à des victoires sur le championnat, championnat qui s'annonce encore très très long, et peut-être même un prétendant au titre GP2? Ben effectivement, Oxide domine et archi-domine le début de saison, mais quand on regarde les résultats, Yoche manque de réussite, et je vois des rookies comme Monstrite qui sont pour moi très 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 performants sur des voitures qui le sont aussi. Monstrite et Mistation qui était quand même ancien champion GP2, donc des très bons recrutements. Et Juan Max qui progresse, c'est hallucinant la manière dont il progresse. Je vais rajouter quand même mon ami Hamilton, parce que voilà, ils sont six à prétendre à gagner, même si c'est vrai que Oxide et Yoche sont quand même au-dessus du lot, en début de saison en tout cas. Si je peux me permettre, juste pour parler des pilotes de l'ensemble du plateau, le pilote brésilien WAM a vécu un début de saison difficile, puisque là il en est tout simplement à son quatrième abandon consécutif, et c'est vraiment désolant pour lui. Est-ce que tu as un message à lui passer pour qu'il puisse remonter la pente? Effectivement, WAM vit un début de saison calamiteux. J'ai rarement vu un pilote aussi malchanceux, mais je sais que la chance a tourné, que c'était un très bon pilote et qu'il va bientôt refaire des résultats et montrer qu'il est présent. En tout cas, je suis sûr que tout va s'arranger pour lui. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Voilà. Et on lui souhaite également, bien sûr. Mais depuis le début, on parle de tes performances sur ce début de saison. Mais n'oublions pas, Ross, que tu es une personne importante sur le forum. Tu es une personne clé. Tu es en fait le pilote ayant la plus grande longévité sur cette communauté. Alors rappelons les statistiques, déjà en GP2. Tu es quand même le recordman de podium obtenu, puisque tu as réussi à monter 39 fois sur le podium. Tu as également participé à 144 Grands Prix, bon, bah, plus les 5 déjà de cette saison 13, ça fait déjà 149 Grands Prix. Et pourtant, tu n'as qu'une seule victoire et tu n'as participé qu'une seule fois à la F1. Oui, donc effectivement, ça fait plaisir d'écouter toutes ces statistiques, mais quelque part, ça fait mal. C'est vrai que, avec humour, je vais dire que je n'ai fait qu'une victoire, mais parce que je ne vaux pas mieux que ça. Je trouve que tous les pilotes actuellement, tous les rookies qui s'inscrivent sont beaucoup plus rapides que moi. Mais j'ai un peu d'expérience et je tiens à rester dans le championnat. Je tiens aussi à m'amuser et franchement, je suis pas prêt d'arrêter. Même si j'aimerais bien avoir des statistiques un peu plus glorieuses que celles que vous venez de m'énoncer. Voilà. Donc, Rosbif, bon, tu as à peu près répondu à la question, mais qu'est-ce qui explique que tu es toujours présent après tant d'années sur le forum?
Alors c'est tout simple, je prends du plaisir, et ça c'est le plus important. J'essaie aussi de pas être ridicule, c'est-à-dire de m'entraîner et d'évoluer, même si franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment à la ramasse par rapport à tous les jeunes qui arrivent là maintenant. Mais je suis toujours optimiste et je me dis que peut-être de temps en temps je peux mettre la pagaille au milieu. Mais le plus important, je le répète, c'est quand même prendre du plaisir. Et tant que je prends du plaisir, je serai en championnat, GP2 ou F1 si je pouvais l'atteindre, mais c'est pas demain la veille. Voilà. Donc maintenant, on va solliciter ta mémoire. Quels sont tes meilleurs et tes pires souvenirs? Mes meilleurs souvenirs, en fait, j'en ai énormément, donc j'ai pas le temps d'en parler. Et puis en plus, j'en ai même actuellement chaque semaine, parce que chaque course est différente, chaque forum est différent, chaque saison est différente. Et franchement, des beaux souvenirs, j'en ai vraiment trop. Et il n'y en a pas un qui ressort plus que l'autre. Et les plus mauvais, c'est quand on est obligé de se séparer de certains pilotes pour raison familiale, pour raison professionnelle, ou etc. Et d'avoir des affinités, de devoir les quitter, ça c'est des mauvais souvenirs, parce que je considère ce forum comme une grande famille, et donc quand tu perds quelqu'un, ça touche énormément. Voilà. Ross, c'est vrai que tu nous as beaucoup parlé du plaisir que tu prends sur le forum, mais encore une fois, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes ambitions à long terme sur le forum? Est-ce que tu penses encore rester très très longtemps actif en GP2, peut-être en Formule 1, on ne sait-on jamais? Quelles sont tes ambitions et tes perspectives? Alors honnêtement, chaque saison je me dis stop, j'arrête, parce que là je suis dépassé, je suis plus motivé, et nanani, nanana, et en fait... Et chaque saison, je me dis, mais attends, tu as le bonheur d'être avec des gens qui ont la même passion que toi. Tu es responsable quand même d'une chose qui est importante, et surtout pour certains pilotes. Donc je me dis, allez, on continue. Donc l'objectif, c'est, comme je l'ai dit, c'est de prendre du plaisir, mais c'est aussi de pas être ridicule. Et surtout de pas avoir à regretter certaines décisions ou certaines paroles, ou d'avoir être témoin de certaines circonstances qui font que parfois j'ai tout envie d'arrêter, quoi, que ce soit la compétition et la gestion du forum aussi. Alors, tu viens de nous rappeler que tu étais le responsable de la gestion du forum. Est-ce que tu peux nous rappeler concrètement ton rôle finalement dans la communauté F1 Team? Alors voilà, il se trouve qu'en 2009, j'ai eu la chance de rencontrer Guignol 81, qui a créé ce forum tout seul et qui a recruté sur le online. Et moi je venais d'arriver avec la PS3, avec internet, le super écran, et je me suis dit ouais, je me mets à fond là-dedans. Il a recruté, je suis revenu dans son championnat, on était 10, 11, puis après 12, puis après c'est monté, et après lui, pour raison X, est obligé d'arrêter. Il m'a donner la responsabilité de ce forum, la responsabilité, c'est-à-dire que j'ai droit à tout, mais de décision, de... Enfin, bon, voilà, je suis passé le patron, si on veut, et ça a été pour moi une chance énorme, parce que avoir les mains d'un forum qui a un succès, je rappelle quand même qu'il y a en moyenne 260... voire 300 visites par jour sur le forum, c'est quand même pour un forum de Formule 1 assez énorme. Et on est arrivé des fois à être plus de 26-30 en ligne sur le chat. Enfin bon, c'est quand même, même si c'est un petit forum, ça reste très important. Je vois que beaucoup de gens s'intéressent à nous, et être responsable de tout ça, c'est pour moi c'est une grande fierté. Grande fierté et par contre une grande responsabilité. Et je tiens justement à remercier les gens qui m'accompagnent et qui m'aident, et notamment Ricky qui est mon co-administrateur, c'est-à-dire le numéro 2, mais aussi mon alter ego. Sans lui, nous ne serons même pas là. Voilà. Et donc la communauté F1 Team regroupe 32 pilotes répartis dans deux catégories, donc la catégorie F1 qui est commentée par nos amis Rémi et Florent, la catégorie GP2, donc que vous venez de suivre à l'instant.
Mais quelles sont les valeurs et les fondements finalement que partagent tous ces pilotes? Quelles sont les valeurs du forum? Quelle est la devise du forum? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lie ces pilotes entre eux? Mais avant tout, quand on fait partie d'un forum de Formule 1, on est là pour faire des courses, s'amuser, mais surtout gagner ou avoir des bons résultats. Mais après coup, on peut se dire qu'il y a meilleur que nous et on peut rester dans un championnat pour progresser ou au moins en tout cas passer du bon temps. Et nous, la devise du forum, c'est respect et courtoisie, parce que malheureusement, quand on fait partie d'un championnat et qu'on court sur l'online, on se rend compte qu'on a affaire à des sauvages et que c'est pas amusant du tout. Donc là, quand on a une vraie structure comme la nôtre, c'est très important d'avoir des liens soudés. Je vous répète la devise respect et courtoisie. Ça veut dire qu'on est là pour s'amuser et surtout pas s'insulter ou se prendre trop au sérieux, même si l'esprit de compétition est quand même le plus important. Mais je le dis, je le répète, respect, courtoisie et bonne humeur. C'est quand même avant tout une famille, c'est très important. S'il y a des gens qui pètent plus haut que leur cul, qui sont trop prétentieux, petit à petit, ils s'écartent de ce forum par eux-mêmes ou on les fait partir ailleurs parce qu'il existe d'autres forums. Et nous, notre état d'esprit est différent, je pense, de certains forums. Oui, et donc Ross, là tu parlais du respect, du fair play, de la courtoisie, de l'ambiance du forum. Là, toi qui es depuis le début, comment as-tu vu l'évolution du forum sur ces plusieurs sujets, sur le fair play, l'ambiance et tout ça? Comment il a évolué? Et il a évolué bénéfiquement, c'est-à-dire que au début on n'était pas beaucoup, il y a eu quelques problèmes, il y a eu même des bannissements de forums, chose très rare sur ce forum, mais on était obligé de passer par là. Et je trouve qu'avec l'évolution, on a une moyenne d'âge qui est environ de 28-30 ans, et je ne sais pas si ça y fait ou quoi, mais il y a un profond respect. Et même si on doit tentant intervenir, nous les modérateurs, je trouve que dans l'état d'esprit, la devise est respectée. Mais vous le savez mieux que moi, il faut être vigilant parce que on a vite fait tomber sur des personnes qui sont un peu impulsives ou qui peuvent partir en dérapage comme ça. Donc, mais je pense que l'évolution et la mentalité est bien ancrée dans les 32 pilotes qui sont inscrits dans notre championnat. Alors Ross, il existe bien d'autres ligues de Formule 1. Tu parlais de la mentalité tout à l'heure. Est-ce que, hormis la mentalité, donc qui est vraiment très présente, très bonne mentalité au sein de ce forum, est-ce qu'il y a d'autres forces, d'autres avantages qui font que la communauté F1 Team PS3 se démarque des autres ligues? Écoutez, franchement, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais il faut se rendre à l'évidence. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 10 saisons et qui sont même allés voir à droite ou à gauche, et qui sont toujours revenus, ou en tout cas, nous sommes toujours restés fidèles. Et moi, je me demande si on a un plus, si on a, comment ça se fait. Et c'est à eux qu'il faut leur demander, en fait. Mais je remarque qu'il y a vraiment des pilotes qui sont là depuis très très longtemps, que je connais très très bien. Et moi, ça me fait plaisir, et qui m'ont dit, franchement, Rosebif, on n'ira jamais voir ailleurs, et même on est allé voir ailleurs, et c'est là qu'on est le mieux. Mais après, il faut leur demander à eux aussi, c'est ça le plus important. Donc ensuite Ross, parlons un peu des catégories, enfin de la catégorie F1. Selon toi, qu'est-ce qui fait que la catégorie F1 donc est-elle toujours aussi relevée et toujours autant prestigieuse pour le forum? Pour la bonne et simple raison, c'est que le niveau en GP2 est très haut, donc forcément le recrutement ou en tout cas les sponsors s'intéressent de plus en plus au GP2. Et en F1, on a un niveau qu'on n'a jamais atteint. On l'a comparé notamment sur des tournois interforums, où on s'est rendu compte qu'avec un peu de sérieux, nous étions très compétitifs. Et je remarque que de saison en saison, effectivement, le niveau est de plus en plus haut, dans les deux catégories. Alors justement, tu parlais recrutement, puisque tous les ans, de nouveaux pilotes frappent à la porte de la communauté F1 Team. Quel conseil donnerais-tu à ces pilotes pour qu'ils puissent réussir au sein de la communauté et tout simplement prendre ce qu'ils recherchent, le maximum de plaisir? Eh bien, il faudrait d'abord que les rookies puissent être performants sur 100%,
c'est-à-dire des courses complètes avec qualification, il soit présent à chaque course. Donc ça, c'est le plus important. Une fois qu'on a passé le cap, qu'on peut être présent et qu'on puisse tenir 100% sans avoir des problèmes physiques ou moraux ou etc. Ça, c'est un cap très important. Après, il faut savoir que le niveau est élevé, mais en GP2, effectivement, il y a aussi un niveau qui est très bas. C'est des rookies, ce sont des gens qui n'ont jamais conduit des GP2. Donc forcément, on est mélangé à l'extrême, aux deux extrêmes. Donc il faut se mettre en tête que le GP2, c'est pas si facile que ça. Voilà. Oui, Ross, est-ce que tu peux rappeler les modalités à suivre pour s'inscrire à la communauté et participer au championnat GP2? Tout à fait. Donc, pour participer au championnat, on est obligé de commencer par le GP2. Et pour s'inscrire, il faut aller sur le forum et aller au topic inscription. À partir de là, on va vous demander plusieurs renseignements. D'une part, pourquoi êtes-vous là? Quelle est votre expérience? Est-ce que vous êtes disponible le jeudi, puisque toutes les courses se passent le jeudi soir? Est-ce que vous êtes sûr d'être présent le plus souvent possible? Et à partir de là, on est inscrit et on doit participer à des épreuves qui vous mettent en valeur, pour savoir si vous êtes vraiment, non pas au niveau, mais dans la mentalité du forum, c'est-à-dire courtois, et être fair play. Et à partir de là, vous êtes inscrit sur une liste d'attente parce que malheureusement, nous avons plus de demandes que de places. Et il y a une liste de privilégiés, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits dans l'ordre du départ. Et donc, un jour ou l'autre, au bout de plusieurs mois, vous pouvez avoir la chance de participer, en tout cas, au championnat GP2. Voilà. Donc, c'est pas si facile que ça à avoir. Excuse-moi. Ouais. Oui, tu dis plusieurs mois, mais rappelons que ça peut arriver très vite également, le recrutement. Tout peut arriver. On peut avoir des départs surprises, etc. Donc, il faut rester à l'affût, il faut rester présent. Et chacun finit par avoir sa chance. Ross, pour terminer, est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche? Allez, est-ce que tu peux nous confier quelques secrets sur les pistes éventuelles d'évolution du forum et les futurs changements à venir? Eh bien, écoutez, on attend la saison prochaine avec beaucoup d'impatience parce que nous essayons de mettre en place une troisième poule, le F3, qui sera peut-être d'un autre niveau puisque j'aimerais bien faire des courses à 50% avec des amateurs, mais encadrés aussi, donc un plus grand nombre de participants. Ça demande aussi un peu plus d'efforts de la part des modérateurs, mais je crois que tout le monde est enthousiaste. Je fais ça parce que j'ai beaucoup de pitié par rapport aux pilotes inscrits qui sont là depuis plusieurs semaines et qui attendent de participer et qui malheureusement n'ont pas de place. Donc je me mets à leur place. Moi j'ai débuté aussi, j'étais très content d'avoir une place. Et je me dis que voilà, ce serait bien de faire une troisième poule. Mais il n'y a rien d'officiel. J'aimerais aussi que en GP2, il y ait plusieurs pilotes qui montent, plus que trois, quoi. Parce que je pense qu'il y en a au moins, je pense 4 ou 5 qui méritent largement d'aller en Formule 1 cette année. Mais bon, je ne suis pas tout seul à décider, il faut que j'en parle. Et puis voilà, il y a plein d'autres choses qui vont se passer, mais on vous tiendra au courant, n'ayez pas peur. Bien, merci beaucoup Ross, en tout cas encore une fois félicitations pour cette très belle 5e place. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Marco. Et de rien Max, c'est un plaisir. Alors vous voyez apparaître en bas de votre écran l'adresse du forum, la communauté F1 Team PS3. Rappelons qu'il existe également une page Facebook sur laquelle vous pouvez suivre l'évolution des résultats et sans aucun doute la chaîne SBTV, Starting Block TV, où on peut assister encore aux diffusions de la catégorie F1 et toujours de la catégorie GP2. Le prochain Grand Prix, c'est Monaco. Ouh, ça va être un très très grand rendez-vous. Rodwif, tu avais abandonné, me semble-t-il, lors de la saison 12. Ben, c'est vrai que Monaco est un circuit qui ne me réussit pas beaucoup, et pourtant je l'apprécie parce qu'il est vraiment à part, il est très technique. Mais effectivement, au terme de résultats, j'ai été vraiment très mauvais.
chaque saison. Là, j'espère cette année que la chance va tourner et que je vais pouvoir marquer des gros points pour Lotus, en tout cas. En tout cas, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Vous êtes très sympathique et vraiment très compétitif, ne serait-ce qu'en championnat ou en course, mais aussi sur le forum et tout ce que vous faites. Franchement, respect. Respect à vous. Merci beaucoup, Rosebif. Et nous nous retrouverons donc pour avoir les éléments de réponse, savoir si ta performance sera confirmée à Monaco. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ciao.